Cinquième nuit d'émeute aux États-Unis. Hier soir, ils étaient encore plusieurs milliers à manifester devant la Maison-Blanche. À deux reprises ces derniers jours, le président américain Donald Trump a dû se réfugier dans le bunker de la Maison-Blanche, car les services secrets redoutaient que les manifestants franchissent les barrières. Ces événements ont été déclenchés par la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lundi dernier, lors d'un contrôle de police à Minneapolis. Très rapidement, partout dans le pays, des manifestations sont organisées. La police, elle est là pour protéger les intérêts des riches. Elle n'est pas là pour nous protéger. Et ça, ça doit changer. Tous scandent le même slogan. Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Mettre un genou au sol et lever le poing, c'est le symbole de la protestation contre la violence policière à l'encontre des Noirs. On vous en supplie, s'il vous plaît les policiers, posez un genou à terre en solidarité avec nous. On a vécu une nuit chaotique, c'est pour ça que j'ai posé mon genou au sol, pour essayer de calmer un peu les choses. Et si ça fonctionne, je suis prêt à le faire tous les jours. Le policier qui a provoqué la mort de George Floyd a été rapidement arrêté pour homicide involontaire. Mais c'est déjà trop tard. Ces manifestations, qui rassemblent blancs et noirs, se sont transformées en émeutes urbaines sur tout le territoire américain. Avec de nombreuses scènes de violence et de pillage. Une Amérique plus divisée que jamais. Ici, un homme vise des manifestants avec un arc de chasse. Il sera ensuite lynché par la foule. Loin de calmer le jeu, Donald Trump accuse les mouvements d'extrême gauche d'être à l'origine de ces débordements. Il a d'ailleurs annoncé son intention d'inscrire la mouvance Antifa sur la liste américaine des organisations terroristes. Les criminels de gauche, les radicaux, les voyous et les autres, partout dans notre pays et dans le monde, ne seront pas autorisés à mettre le feu aux communautés. Nous ne laisserons pas cela se produire. Cela nuit à ceux qui ont le moins. Hier, un couvre-feu a été imposé à Washington, comme dans de nombreuses grandes villes américaines. À Minneapolis, l'épicentre des émeutes, la garde nationale a même été déployée. En vain, pour l'instant.